Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et dis un peu petit peu, c'est Bricou, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous voyez, je suis actuellement à 7000 trophées. Voilà. C'est la première fois sur mon compte du monde que j'arrive à aller à 7000 trophées. Donc je vais montrer quelques replays, parce que ils sont vraiment pas mal, genre vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, nous sommes actuellement au top 6949 monde. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et à rejoindre le serveur Discord en description, et puis voilà les petits potes. Donc on va commencer directement, je vais vous montrer 4 replays. Il y a un replay que je vais absolument vous montrer. Voilà les gars. D'ailleurs, Louis, tu regardes ça, bien joué à toi. Ok, donc en gros, ça c'est la première game. Donc, la première game, voilà, je suis contre Louis, enfin Bflick du coup, qui a une chaîne YouTube aussi. N'hésitez pas à voir, c'est Louis Flick. Et puis voilà, donc il a un deck Zappy MKGR. Avec un bourreau, en tout cas c'est chelou. Du coup, on va juste lancer un x4 le temps que l'on se lance dans un petit mode, etc. Du coup, j'ai une main de départ de merde, du coup je joue et puis voilà. Ok, donc là en gros, il pose un bourreau pour défendre ma Valkyrie, tranquille. Ah voilà, je vais, là, pendant les 5 fois, on va un petit peu se faire dans les yeux, genre moi j'ai posé mon Iwis, tout ça. On va attendre un petit peu, tu vois, genre on va tempo, il met son premier zapi. Donc là, je me dis, c'est quoi comme solution? Il m'a dit, je fais un OPK devant, et mon Iwis pas sûr qu'il reset, et il a MK, donc, bah, je vais mon cimetière. Il m'a MK, et là, ce que je vais faire, c'est je gèle, je me suis dit, si je gèle, je vais faire masse dégâts sur la tour, et sur le MK. Le but, c'est d'être sur le MK le plus rapidement possible. Et là, vous allez voir qu'il a bien joué. C'est que, déjà, je pense que très peu de personnes jouent ce deck, mais si on devait jouer ce deck, beaucoup de personnes auraient mis le GR devant le Zappy. Et là, il est de l'autre côté, du coup, il m'a fait un peu bugger, je vous avoue. Du coup, j'ai genre zap panique et j'ai mis un PK à l'autre côté pour défendre le GR. Et avec le recul, c'était pas tant une erreur que ça. Enfin, sauf peut-être le zap qui était pas si subtil que ça, je sais pas. Du coup, je me dis, je mets un sorcier. Il a un gang, je le sais. Du coup, bah, il va attendre que mon PK connecte. Et voilà, il est obligé. Du coup, mon PK qui va aller prendre la tour, évidemment. Moi, je mets une tornade, la tornade qui était pour tuer le gang. Ok, là il prend Zappy, donc là vous verrez que la tournoi a pris très cher. Donc là, ok, donc là je me dis, ok, là c'est la sauce. Du coup j'essaye de mettre un cimetière. Là je vais mettre un bon gel. Là j'ai oublié qu'il est sur MK, enfin je sais qu'il est sur MK, mais bon, il a bien mis sur MK, ce qu'on va dire. Du coup là il y a un MK Zappy, et là il va faire une erreur là. C'est qu'il va vous... Si, ouais, voilà, c'est ça. Il gère au mid, enfin au corner. Alors, s'il le gère au pont, bah, j'aurais pas pu défendre le MK avec, parce que là, regardez, j'ai juste défendre le MK avec. Je vais Iwis pour Zappy. Là, je vais mettre une petite Toto. Et voilà, la défense est clean, quoi. Genre, y'a rien de plus compliqué. La défense, c'est assez facile, là. Du coup, je crois, là, je vais repartir en... Ah non, oui, c'est ça, il pré-shot. Je crois que je vais me faire full map, non? Ouais, ça, ouais. Je sais plus ce qu'il y a à faire, il part en Zappy, je crois que je vais partir en cimetière, non? Putain. Je vais laisser du coup le sorcier, bah voilà. Là je vais mettre un mauvais gel. Ah non, oui c'est ça, non. Je mets un beau gel, mais par contre du coup j'ai un bon zap derrière, donc ça c'est plutôt clean. En soit j'ai vraiment un bon zap. Et là j'ai appris bien l'avantage parce qu'une tour à 700 HP. Assez complexe ça, comme gérer son deck, là il va mettre son 4 vent. Et là, encore une fois, il a fait exactement les mêmes erreurs qu'avant, c'est remettre... Voilà, j'avais pré-shot, hein, regardez. Et là il va, je crois... Ah oui non, il le fait pas. Mais il aurait... J'aurais failli pré-shot contre PK, il l'aurait mis. Donc là je crois que je vais rien faire. Ouais, j'ai juste sorti ce fond de map tranquille. Et là je vais mettre genre ouais. Dans la gel je crois. Dans la zap, ouais, c'est ça. Voilà, et regardez le sorcier, regardez les gars, vous allez me dire le sorcier c'est pas fort. Mais vraiment il a détruit les trois trucs, le bourreau, le zappy, il gère. Donc là mon sorcier il va juste ouais, une petite pression, il va devoir défendre qu'un bourreau, c'est chiant. Il a un très très mauvais esprit. Là en vrai je prends mon temps, faut pas juste pas que je panique. Là je savais qu'elle était en top tout pour le tout, je le savais. Donc là je mets mon sorcier, je mets une tornade, voilà, tranquillement. Je mets une Valkyrie, et là il est dans la sauce. Là il est dans la sauce. Parce que du coup là il met ce MK, il devait mettre son MK trop tôt. Moi je mets au PK derrière, il a paniqué, ça m'a terminé parce qu'il avait de l'esprit.
Du coup, bah évidemment, je vais genre Zappy Wheeze. Et là, bah, ensuite, j'envoie le cimetière. Et puis, esquivé, il va tenter de me voler la game, mais non, j'ai gel, hein. J'ai gel, bien évidemment, pour ça. Du coup, je vous ai bien joué, super combat. Bien joué à lui. Ok, les gars, alors dites-vous juste que, genre, vraiment, j'ai passé 7 heures de rush. Voilà, tout ça, c'est du rush et du rush. J'ai même tilt au bout d'un moment, genre c'était le bordel, c'était trop. Genre c'est trop les matchups que je me tape. J'ai changé de deck et tout. Ouais, comment le mec a perdu, s'il vous plaît? Genre, allez, on regarde le matchup 2 secondes. Pour mon cimetière, il a le poison pour entrer la TDE. Il a le gant pour me faire chier pour les Wiz. Au pire, il a la snowball. Le mineur, bah je peux pas le. Enfin, si, je peux bien le défendre, mais bon. Ici, beaucoup plus vite que moi. L'archer magique, j'ai pas de sort. La Valkyrie, qui si je mets bah, Valkyrie sorcier, bah, il me défend avec une Valkyrie. Il a tout pour me contrer. Il a réussi à perdre. Ouais, bon, le 3 mousquetaires, bon, ça, je peux rien faire. Ouais, bon, les decks foireuses, je sais pas comment je les ai gagnés. Lui, je l'ai affronté 2 fois, comme vous l'avez vu, je crois, tout en bas. Au bas. Ouais, je l'ai affronté avec un. Il m'a gagné avec un golem. Ouais, il a quand même réussi à faire les 7000 trophées. Et là, du coup, je l'avais affronté ici. Il a changé de deck entre-temps, et du coup, j'ai pu les gagner. C'est cool. Ouais, bon, après, voilà. Hein, ouais. Là, du coup, j'avais gagné. Et là, je crois, j'étais. Ouais, là, j'étais in-game, j'ai encore perdu. Du coup, bah, ouais. Là, j'ai fait encore 1-2. Et je crois que là, j'ai encore perdu. Et voilà. Et là, c'est à partir de là que j'ai remonté. Donc, on va regarder les 3 dernières games. Donc, déjà, match-up compliqué. Voilà. Déjà, on se dit, match-up compliqué. Matchup compliqué, c'est du. Il y a de la mamie en face, il y a de la mamie, c'est matchup compliqué. Matchup compliqué. Pour moi, au début, je crois qu'il a mis une cage, hein, si je dis pas de la merde. Pour moi, il a mis une cage, pour moi, je me suis dit, c'est Jean Electro, parce que c'est une méta Jean Electro ou Gohan. Moi, je me dis, ok, c'est du beat down. Donc, j'ai pas mis mon PK, mais j'ai mis mon sorcier tranquille, en général, j'aime bien commencer comme ça. Il met une mamie, je fais putain, du Jean Electro. Pour moi, il y a une mamie, c'est du Jean Electro tous les jours. Je fais putain, le matchup de merde, je vais pouvoir atteindre les 7K. Là, mon sorcier fait un truc de pas mal, c'est-à-dire qu'il touche la tour en même temps. Et là, il a fait une erreur, c'est de mettre son GR super tôt. Là, là je crois. Voilà, mon sorcier électrique pour éviter un coup. Nickel. Là, mon sorcier. Ouais, je vais mettre un zap parce que sinon, on a mis l'AMG qui aurait détruit mon sorcier électrique. Du coup, bon, là, ça se fait un peu dans le blanc des yeux. Il a tenté l'attaque, j'ai pas tenté l'attaque et pourtant, je vais quand même plus de dégâts que lui. Donc là, vous voyez qu'il a quand même une petite arrose d'élixir. Donc là, il a remis une cage. Je suis en mode, ah, ça c'est chiant. Du coup, je voulais attendre l'élixir, enfin, d'avoir 10. En mode, Valkyrie fond map. Les Valkyrie fond map, en général, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, mettre une Valkyrie fond map. Je préfère la garder pour tanker, genre, si ma Dark Prince ou une connerie dans le genre. Du coup, il remet une mamie, tout ça. Du coup, maintenant, je suis du GR, donc je connais le deck, il met son pêcheur. J'ai mis une belle tornade, du coup le sorcier qui permet de tuer le gob et la mamie. Là je vais clairement pas les défendre ce pêcheur, hein. Je trouve ça un peu inutile de défendre le pêcheur. Je vais prendre un coup, 2 coups grand max, voilà, je prends un coup, voilà, c'est pas très grave quoi. Ok là du coup bah là je mets le poisson sorcier électrique pour défendre les deux évidemment. Ça tant qu'à faire bah, que ça donne de la value. Là, ça y est, ça commence à jouer. Ok, donc là je prends un Pégaphone map, je prends un Géaphone bien évidemment. Je suis obligé de défendre le gobelin, sinon ça fait trop mal. Il m'a un Dark Prince, je sais ce qu'il va tenter. Donc là, je sais exactement ce qu'il va faire. Ça va être un pêcheur, donc je le savais. Donc là, la Valkyrie qui se fait grave, j'ai évidemment mon sens électrique pour aller vous avec le pêcheur. Et là, regardez, là on a un sorcier. Bon, imagine une bonne boule de feu, très bien joué à lui. Hein. La bonne boucle de flux, là je mets évidemment au cimetière parce que son pêcheur m'aggrave. Là je savais qu'il y a une mamie, donc je le dis directement. Là les squelettes vont le tuer la mamie, donc moi je vais vite aller zapper pour pas qu'elle fasse d'autres. Ah non j'ai pas besoin. Si je les zappe mais la mamie ne meurt pas. C'est pas grave, on a eu de bons dégâts. Là il va sûrement mettre un GR devant, je le sais. Donc là j'ai évidemment mettre une Valkyrie pour tanker. Valkyrie sorcier très solide contre moi. Hein. Regardez, regardez le taf que ça fait. Voilà, bon là malheureusement j'ai un peu un le kick, le PK suivre le Hadouf pour. Voilà, mais bon c'est pas grave. Du coup, je pars en cimetière, je sais qu'il est ennemi, j'ai passé pour Jay, il va faire spawn 2-3 cochons.
Je gèle et là je crois. Ah non, ça finit pas, ça finit pas. Ah oui, c'est vrai. Ça finit pas. Et là, le PK qui va aller terminer cette tour pour aller prendre cette win après 1 million de dérush. D'ailleurs, les gars, si vous voulez voir un petit peu suivre mes évolutions, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, les gars, qui est en bas à gauche. Enfin, en bas sur l'overlay, genre. En bas à droite sur l'overlay, mais tout à gauche. Et puis voilà. Parce que du coup, vraiment, je suis passé 6-7 fois dans les à une game du D7K. Du coup, on tombe sur un deck assez chelou. Squelette géant, cochon, plus fieu gobelin et un mineur. C'est ouais, ça m'a un peu surpris, j'avoue. Ça m'a un peu saoulé. Il y avait un bon matchup et il m'a beaucoup surpris quand même son deck, j'avoue. Du coup, là, je me dis qu'il y avait son mineur. Je me dis, c'est quoi du ballon? Et là, je me dis, oh, ça, j'aime bien. Parce que oui, il faut savoir qu'avec mes decks. Avec mon deck, tous les decks bizarres un peu, comme moi, bah en général ça m'arrange, ils ont généralement des pas très hauts matchups contre moi. Soit, oh putain, du squat géant, je me dis ça peut être quoi du clone, là j'en fais gobelin, je me dis ok c'est de la reine 4, je rigole évidemment. Ok, là il m'énerve les squelettes, très bien, voilà je les zappe. Là ça le fait chier, il va devoir mettre un mineur défensif, sinon il va sûrement prendre des coups de sorcière, coup de PK. Là, voilà, là, on a entendu le bruit du PK partir. Hein. On a entendu, les gars, vous l'avez entendu, le bruit du PK est parti, mais j'ai pas pris de coup. Mais c'est pas grave. Du coup, là, on a quand même, on a quand même perdu 1400 HP. C'est chiant, quoi. Ça fait mal. Du coup, bah, c'est la sauce. Regardez les cartes qu'il a. Hein. Moi, je vous le dis, les gars, je dis pas façon deck. Vraiment... J'avoue, il surprend, en fait. Il a beaucoup de conditions, etc. Genre, c'est bizarre. Donc là, bon, là, évidemment, je fais placement de tornade. Voilà, tranquillement. Pour prendre 0 coup sur le cochon. Sur la tour. Du coup là, bah là en général j'aime pas ça parce que j'ai pas mon sorcier. Du coup je m'associe électrique. Il joue vraiment comme un débile par contre. Genre vraiment. Il est ce que j'ai au point, mon dieu. Du coup je mets une Valkyrie, voilà, bon ça. La Valkyrie c'est vraiment trop fort. Hein. Non, ouais. Ok. Là il met son sorcier. Là je savais qu'il allait mettre l'arme squelette. Du coup on prépare le zap. Là je crois que je vais tornade pour que le PK meure. Et là il a paniqué René. Il a paniqué. Du coup tant mieux, on sait qu'il a pu tuer un gobelin. Là je raconte les trous sorciers quand même un gros bouffon, mais c'est pas trop grave, c'est pas tant dramatique que ça. On prend juste on prend deux coups. Et là je pars en Valkyrie cimetière, là je me dis ok bon là, il y a une sorcière, ok je prends gel, et là je vais lancer en mode ah. C'est chiant, du coup bah évidemment je mets un sorcier. Et regardez ce qu'il a fait, il a failli prêcher mon sorcier, je vous jure que j'ai dû le mettre là. Là j'ai un petit peu de l'ordre, vraiment c'est là je vais mon sorcier tranquillement. Voilà. Là je vais évidemment mettre un PK pour défendre, parce que là mes sorciers faut absolument les défendre. Voilà, nickel. Et là je sais ce qu'il va faire. Et là je crois que j'ai bien joué, il me semble que j'ai tenté, ouais, j'ai tenté un. Hein. J'ai évidemment tenté le pré-shot tornade. Pour tenter de tout ramener avec le sorcier face à un maximum de value. Du coup, là, je me dis, je repars. Je me dis, putain, c'est qui ça. Et là, regardez ce que j'ai fait. C'est que là, bah, j'ai juste la horde. Et là, il n'y a plus d'élixir. Et là, bah ouais, bah, là, il n'y a pas de sort, frérot. Et du coup, je prends la win sur ça. Ouais. Bah, en fait, il a fait de la merde. Il a mis sa sorcière avant, j'aurais pas gel. Mais bon, il a pas voulu mettre sa sorcière. Voilà. Du coup, les gars, là à partir de ce moment-là, là, sur cette game. Là, c'est mon autre pêche. C'est à 6986. J'étais vraiment à une game encore une fois pour la 1 million de fois. Et du coup, j'étais vraiment en mode de wow, je sens le match-up arriver, tu vois. Genre, voilà. J'ai regardé juste, il a fait 7K. Ah oui, il a quand même fait les 7K avec son deck. Ok. Du coup, je me dis, ouais, vas-y, je dois faire un match-up encore. Ça va être grave, quoi. C'est chiant, quoi. Du coup, ah oui, oh putain, what? Il y a des rushs. Ah oui. Du coup, bon. Vous allez voir ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait une putain d'erreur. Je crois. Attends, je crois que ça joue pas direct, je crois que ça s'est fait. Ah non, ok, c'est. Allez. Du coup, allez, il a mis un bûcheron au pont. J'ai mis mon PK et là il a paniqué. Et là il a mis un bomber fond de map. Et là j'ai mis mon soutien. Et voilà ce que ça va faire. C'est incroyable. Là il a paniqué de ouf. Alors, et moi je voulais. Voilà. Là j'ai mis un turn trop tôt, c'est pas grave, j'ai zap. Et là, bah, les gars, là, vous savez ce qui arrive, hein.
Voilà, il a déjà plus de tours, il a plus des legs. Là, il aurait un bûcheron, ça m'aurait sûrement mis dans la sauce par contre. Du coup, là, regardez l'élixir d'avance qu'il a, le mec. Mais là, il a fait de la merde, c'est de vouloir défendre sa tour. Il a défendu sa tour, gros bouffon. Du coup, là, il est à peu près sane. Bon, évidemment, je mets une Valkyrie, mais du coup, il va toujours devoir défendre en fait. Et là, ce qu'il aurait dû faire, c'est encore une fois laisser la tour là. Il aurait dû déjà dès les tours censés laisser la tour et partir en golem opposé. J'aurais rien pu faire. Vraiment, j'aurais rien pu faire. Il n'y a plus d'élixir, etc. C'est la sauce. Du coup, là, je sais pourquoi il attend. Du coup, il me redonne de l'élixir. Enfin, moi, ça me convient, tu vois, qu'il attend. Du coup, là, je crois que ça regarde dans le blanc des yeux. Je colle l'élixir x2. Du coup, un petit peu avancé. Voilà, là, il pose son golem. Je pose évidemment mon PK. Pas défendre. Et là, je me dis, je défends, j'ai win. Je défends. J'ai win. C'est pas plus compliqué, je défends, j'ai win, c'est tout. Du coup, voilà, je vais tenter de défendre tant bien que mal. Hein. Du coup, là, je tornade. Là, je vois la NG, je me dis, ok, je gèle. Là, j'ai évidemment une Valkyrie qui va se pousser pas le golem, ça sur la Nightwish. Du coup, là, je vais mettre un zap. Là, je vais remettre un sorcier, il a pu essayer, il va tenter une tornade. Mais moi, je mets une tornade en même temps. Et là, bah là, ouais. Là, du coup, c'est la sauce. Il reste 10 secondes, enfin il reste 15 secondes. Ouais. Du coup, là, ce que je vais faire, bah, c'est mettre un métro sorcier au pont. Ah non, ah oui, c'est ça. Là, il met son collègue, mais il trouve sorcier fond de map. Et là, bah, du coup, je mets Valkyrie, cimetière. Et là, il va tenter tout défendre. Hein. Il va tenter de défendre. Et ça ne suffira malheureusement pas. Les squelettes qui vont faire le taf. Quand j'ai vu son assiette, je te mate. Oh yeah, j'ai oui, let's go. Et là, bah, juste dans la piscine, voilà. Alors qu'il était 4h du mat. Yes! Du coup, bah, je suis content, les gars, j'ai enfin passé cette case sur mon compte, ça c'est vraiment bueno. Du coup, maintenant je pense que ça aura vraiment un bon profil, je trouve. J'ai le super défi, j'ai le badge des 7K, j'ai le défi classique évidemment, que je suis en train de farm les 2x10 là. Et puis voilà, les gars, donc on se retrouve en live ce soir. Au moment où cette vidéo sort, ce soir, je vais like, c'est sûr. Je vais live, il va être sûrement 22h30, 23h, donc n'hésitez pas à me rejoindre. On va aller sur mon petit compte, on va tenter d'aller rush sur mon petit compte, les 5, les 6K3, alors je suis niveau 11. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis où je suis là. Allez. Avec ça, je suis monté à 6K3, on va voir si on y arrive. Sinon, la semaine prochaine, on tente la 6K3. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à vous partager évidemment. C'était vrai coup, ciao.